Bonjour ou rebonjour à tous. Je suis Stéphane Schulz, donc j'ai la dure tâche d'animer une longue après-midi avec 5 conférences. Quand on participe ou quand on organise des conférences, on a toujours un gros problème qui est qu'est-ce qu'on va mettre après le déjeuner? Parce que généralement, après le déjeuner, physiologiquement, c'est un peu difficile, les gens ont du mal. Heureusement, là, on avait une arme magique, en fait. On a une baguette magique qui est Rachel Vanier. Merci beaucoup, Rachel, d'être avec nous. Rachel va nous parler en fait d'un sujet assez particulier en fait, qui est le sujet du temps. Mais d'abord, on précise que tu es l'auteur de plusieurs romans. Alors j'ai lu, on a le droit de dire plusieurs à partir de 2. Donc ce sont ces 2 romans-là, Hôtel International et puis Écosystème. Donc pour information, flash de publicité, il y aura une dédicace de ces livres tout à l'heure dans le forum, juste après en fait la conférence de Rachel. Donc dans ce deuxième roman, notamment Écosystème, tu mets à profit en fait ton passé de content manager et puis ton boulot actuel en fait de head of comms, comme on dit, chef de la communication de Station F. Donc l'année dernière on avait Roxane Varza, aujourd'hui on a Rachel. Je précise aussi que tu as un blog qui s'appelle dinde.co. Alors moi je suis un grand fan du blog de Rachel et je vous recommande de vous abonner à ce blog. Donc aujourd'hui on va parler du temps, je vais me dépêcher. On a parlé du temps du web, en fait, le temps des réseaux sociaux, et il y a aussi le temps de l'auteur, le temps de l'auteur de roman, en fait. Et Rachel, donc, on va te donner du temps, là, maintenant, pour que tu puisses nous parler de ça, et on aura un petit peu de temps aussi pour les questions ensuite. C'est à toi, Rachel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Donc, comme Stéphane l'a dit, je m'appelle Rachel. Je suis aussi une jeune femme qui vit avec son temps, donc je suis sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à advenir Rachel. Pour me présenter un peu plus en détail, je vais utiliser un hashtag qui avait pas mal tourné il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le hashtag First7Jobs. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ça avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux parce que notamment pas mal de stars de Hollywood racontaient leur tout premier 7 jobs. Donc il y en a beaucoup qui racontaient, oui, moi j'ai été serveur, j'ai été postier, j'ai été handyman, etc. Donc c'était un peu dans un effort assez vain de montrer que eux aussi, avant de devenir des superstars de cinéma, ils avaient été des êtres humains comme tout le monde. Moi ça m'avait fait marrer quand j'avais vu passer ce hashtag parce que à beaucoup de moments dans ma vie, ne serait-ce que définir les 7 jobs que j'avais en simultané, c'était un grand défi. En effet, je fais partie de cette génération qui aime bien faire pas mal de trucs en même temps. J'aime pas trop le terme slasher, mais bon, il faut quand même admettre que c'est un peu ce que je suis. Voilà les différentes choses que j'ai pu faire dans ma vie ou que je fais en simultané ou successivement. Comme l'a dit Stéphane, j'ai fait du content marketing. Personne ne sait exactement ce que c'est. Moi-même, je suis pas exactement sûre. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai principalement étudié le droit public et la macroéconomie. J'ai fait beaucoup de relations presse, j'ai organisé des événements, j'ai eu tout un tas de statuts différents, freelance, CDI, CDD, chômeuse à de nombreuses reprises. J'ai toujours évolué dans l'univers des startups. J'ai été prof, j'ai été journaliste. Et j'ai été, je suis toujours écrivaine, statut qui n'est pas évident à assumer, à partir de quel moment est-ce qu'on peut s'auto-proclamer écrivain, un roman, 2 romans, publiés, voilà, on ne sait pas trop. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu plus simple, parce que j'ai un job que les gens comprennent à peu près, pardon, mais ça c'est quand je passais des entretiens, c'était à peu près l'image que j'avais de moi-même pour essayer de déterminer quelles étaient mes qualités. Bon, aujourd'hui, j'ai un job beaucoup plus simple. Je suis DIRCOM, tout le monde sait ce que c'est. Je travaille pour un super projet qui s'appelle Station F, qui est le plus grand campus de start-up du monde, où j'ai la chance donc d'évoluer au sein de milliers de start-up au quotidien. Mais bon, je n'ai pas abandonné ma deuxième casquette, rassurez-vous, je continue d'être une slasheuse. Je suis toujours écrivain. J'ai publié 2 romans, le dernier en juin cette année, qui s'appelle Écosystème, qui raconte le parcours de 2 entrepreneurs, enfin 2 amis d'enfance qui ont décidé de monter une boîte ensemble, et qui partagent la caractéristique de ne pas être très doués dans ce qu'ils font. Donc c'est vraiment une comédie, on va suivre les péripéties de ces 2 jeunes personnes à Paris puis à San Francisco, et la confrontation à la réalité de leurs ambitions démesurées. Hôtel International, que j'ai publié il y a 2 ans, qui est sorti en 2015, toujours aux éditions Intervalle, qui raconte le parcours d'une jeune femme en Asie du Sud-Est qui s'enfuit là-bas après un choc traumatique assez important. Et on suit son parcours un peu drôlatique au milieu des expatriés au tiers-monde. Ça se passe au Cambodge. Et alors, quand les gens me rencontrent et qui réalisent que j'ai écrit des romans en plus d'avoir un job qui est quand même assez prenant, la première question qu'ils me posent,
c'est pas bizarrement où est-ce que je peux me procurer ton ouvrage immédiatement, ce qui m'étonne un peu, parce que bon, quand même. Mais la première question qu'il me pose, c'est comment tu trouves le temps d'écrire ? Ce qui, quand on y réfléchit, c'est une question un peu bizarre, parce que on ne trouve pas le temps, en fait. J'ai pas repéré où était le pot de miel au pied de l'arc-en-ciel. J'ai pas repéré où est-ce que j'allais récupérer des petites pépites de temps comme ça. Je suis pas un chercheur d'or qui, au fond de son tapis d'orpailleur, réussit à récupérer des miettes de temps et à me les octroyer pour écrire plus longtemps. Non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, le temps, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est le temps ? J'espère que vous avez 6 heures devant vous. Non, je rigole. Je vais m'en tenir à mes 40 minutes. Évidemment, c'est une question qui est hautement philosophique, sur lequel les philosophes, les anthropologues, les psychologues se sont penchés pendant des siècles. Mais il y a une distinction conceptuelle qui est vraiment intéressante au regard de la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est la distinction entre le temps objectif et le temps subjectif. Le temps objectif, c'est le temps qu'on conçoit comme une puissance sur laquelle on n'a pas d'emprise. C'est le temps que ne mesurent que les aiguilles d'une montre qui se succèdent. C'est un temps sur lequel on n'a absolument pas de pouvoir. Le temps est le même pour tout le monde, il se déroule, c'est le temps chronométré, c'est le temps quantitatif. Mais il y a une autre acceptation du temps qui est hyper intéressante, notamment au regard du sujet d'aujourd'hui, c'est le temps subjectif. Dans Alice au Pays des Merveilles, quand Alice s'étonne de voir que le chapelier a sur sa montre les jours et les mois et pas les heures et les minutes, le chapelier lui répond: si vous connaissiez le temps aussi bien que je le connais moi-même, vous ne parleriez pas de le gaspiller comme une chose. Le temps est une personne. Et effectivement, le temps, dans une certaine mesure, c'est un individu dont on doit s'attirer les faveurs, avec lequel on tisse des relations qui sont très subjectives. Le temps s'accélère ou ralentit selon le contexte dans lequel on vit une situation. Si on est impatient, le temps passe plus lentement, si on est en bonne compagnie, si on est dans une situation agréable ou désagréable. Le temps, du point de vue de la conscience, peut aussi complètement changer. Un traumatisme, d'abord un être cher, peut continuer pour constituer, par exemple, une époque révolue du point de vue de la conscience dans nos vies. En fait, le temps, c'est plutôt une succession de moments subjectifs. C'est vraiment une notion qui est tout aussi qualitative qu'elle est quantitative. Voilà pour la définition des termes du sujet. On va se concentrer sur la question d'aujourd'hui. La question qui est soulevée, en fait, à laquelle on a vraiment beaucoup réfléchi avec Stéphane et sur laquelle à laquelle je suis confrontée au quotidien, est la suivante. Quand on est inscrit dans le monde contemporain, qui est caractérisé par quoi ? Évidemment, les nouvelles technologies. Et du fait des nouvelles technologies, la massification des contenus littéraires qui sont disponibles sur Internet, et à la fois l'accélération du temps, d'une certaine manière. Tout se passe très vite, on est en interaction immédiate, on reçoit, on est abreuvé de contenu littéraire en permanence. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est inscrit dans ce monde contemporain pour lire et écrire un peu à la old school ? Comment est-ce qu'on peut se poser, lire un roman sur de l'authentique papier qui sent la bibliothèque ? Est-ce que, finalement, lire, écrire sur du papier, des formats longs, c'est quasiment être à contre-courant de son époque ? Est-ce que c'est même possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Donc finalement, la vraie question, c'est lire et écrire un million de trucs sur Internet et notre rapport au temps soit environ 4 secondes par contenu. Pour étudier, enfin, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur qu'est-ce qui explique ce phénomène et surtout pourquoi est-ce qu'il est autant décrié et critiqué. Pour ce faire, je vais utiliser donc un schéma hautement scientifique de ma composition. Tout se passe comme si aujourd'hui, au fur et à mesure que le volume de contenu disponible augmentait, il y avait une réaction mécanique inversement proportionnelle du temps d'attention disponible. C'est un peu comme ça qu'on explique le fait que Internet, il y a trop de trucs, on n'est pas concentré, on ne fait que consommer des petites miettes de contenu très courtes, trop vulgarisées. Je vais utiliser un autre schéma qui, il me semble, un peu symbolise cette conception qu'on a du temps et de la consommation de la lecture de l'écriture sur Internet. C'est comme si on avait un tronçon de temps disponible, le même pour tous, parce que le temps, après tout, on est tous égaux face au temps, c'est la même quantité de temps qui nous est accordée à tous, et qu'avant, à la belle époque où on n'avait pas encore Internet et la massification des contenus, on avait un certain nombre de contenus littéraires disponibles, et on pouvait y dédier des tronçons de temps raisonnables, entre guillemets. Et aujourd'hui, avec la massification des contenus sur Internet, on se retrouve
avec une myriade de contenus pour lesquels on doit partager notre attention, notre temps disponible mental. Notre temps de cerveau disponible, comme on disait. Je vais faire une analogie pour voir si je suis vraiment d'accord avec cette comparaison. C'est un peu comme si, face à une rupture technologique majeure, on arrêtait de manger des gros gâteaux et on se contentait de manger des cupcakes. Parce que voilà, la société a évolué, notre environnement technologique a évolué, et maintenant on nous dit qu'il faut manger des cupcakes. Ça a évidemment plein d'implications. Un gros gâteau n'a qu'un seul goût, des cupcakes ont plein de goûts différents, c'est pas la même chose pour les pâtissiers, c'est pas le même investissement en travail, c'est pas la même manière de distribuer les choses. Mais bon, c'est comme si on nous imposait avec une rupture technologique de passer d'un type de consommation à un autre sous prétexte qu'on avait un niveau de temps disponible, comme si on avait tous le même estomac, tous le même appétit. Ça, c'est vraiment la phrase qui résume pourquoi est-ce que cette conception d'Internet et du temps disponible et de la lecture et de l'écriture à l'ère du numérique est si critiquée. Soi-disant, à cause d'Internet, notre temps d'attention moyen aurait été réduit à 8 secondes. Ça voudrait dire qu'ici, dans cette salle, ça fait environ 11 minutes et 37 secondes que vous avez arrêté de m'écouter. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui continuent de m'écouter, s'il vous plaît? Merci, ça me fait plaisir. Ça me rassure, parce qu'il me reste 20 minutes, quand même. Bon, moi, je suis un peu sceptique avec cette phrase. Mais qu'est-ce que ça dit, finalement? Le problème avec ça, c'est que quand on vous dit, quand on vous rabâche le temps d'attention moyen des gens quand vous écrivez des textes est de 8 secondes, bah, évidemment, les auteurs s'adaptent. Et s'adaptent au format web, au format court. Et évidemment, ça peut avoir quelques dérives. Avant de venir ici, en préparant ces slides, j'ai fait un petit exercice très simple. J'ai tapé « écriture plus web » sur Google. Un des premiers résultats, sur la première page de résultats de recherche, je ne citerai pas le nom du site web pour ne pas l'acculer en public, mais c'était celui-là, « Les 10 règles d'or de l'écriture web ». Fine, j'ai fait du content marketing aussi, ça m'intéresse de savoir comment mieux m'adresser à mes audiences sur Internet. On lit. Je vais tricher sur mes slides. « Écrire court », bon, ça on l'a compris, c'est vraiment le nerf de la guerre. « Phrase courte », « phrase » sans verbe. Là, je commence à être un peu sceptique. C'est quand même dommage d'avoir une telle richesse littéraire et de ne pas mettre de verbe dans ces phrases. Proposer des relances au milieu du texte, très bien. Utiliser des puces ou des tirets, ok. Ne pas hésiter à donner du relief à son texte avec du gras. Bon, voilà, c'est un petit peu caricatural. Clairement, cette dérive incarne très bien la critique qu'il y a en creux de tout ce phénomène de massification des contenus, accélération de la consommation de contenus et adaptation des écrivains à ces formats soi-disant qui ont beaucoup plus de succès sur Internet. La critique, au fond, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que la culture web du tout court, tout immédiat, est-ce que ça représente une menace pour les romans, pour les articles de fond qui sont longs, qui sont dans les journaux, mais qui sont aussi sur Internet? Est-ce que, par extension, ça menace les longs-métrages? Je ne vais pas rentrer dans un deuxième sujet qui serait l'audiovisuel, on va se contenter de parler d'écriture, parce que c'est aussi ce que je maîtrise de mieux, mais finalement, on est dans la même veine. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une confrontation entre les contenus web, les contenus de la nouvelle ère d'Internet, et les vieux contenus, les contenus longs, les contenus écrits sur du papier? On va essayer de prendre un petit peu de recul avant d'accuser Internet de mettre les gens comme moi qui essayent de construire une carrière littéraire, de nous mettre au chômage. On va essayer de voir qu'est-ce qui explique cette critique, est-ce qu'on ne peut pas un peu mettre de l'eau dans son vin. Premièrement, parce que le court, ce n'est pas nouveau en fait, ce n'est pas Internet qui a inventé les formats courts. Des formats tels que les aphorismes ou les haïkus sont évidemment centenaires. Et ce n'est pas parce qu'ils sont courts qu'ils sont moins bien. Résumer une pensée profonde et sophistiquée en peu de mots, c'est un exercice littéraire très périlleux, très difficile, et peu de gens y arrivent très bien. Comme le dit Dominique Noguet dans son bref traité de l'aphorisme, l'aphorisme réussi est un miracle improbable. Et le court est exploité d'autres manières chez les écrivains, par exemple via le fragment ou l'extrait, qui est largement utilisé pour transmettre un autre message. Alors, c'est vrai, souvent, l'utilisation du fragment ou de l'extrait pour composer des textes, ça part d'une démarche qui est vraiment en défiance par rapport au genre du roman. Mais on ne peut pas le réduire simplement à une lutte contre... une adaptation à la société qui nous a tous transformés en poissons rouges. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. C'est une vraie démarche de création littéraire.
qui a un intérêt propre. Et par ailleurs, même si le cours n'est pas neuf, le cours d'aujourd'hui réduit à son plus simple appareil, le cours numérique, le tweet, peut aussi tout à fait avoir un intérêt littéraire. Le cours n'est pas nul. Je ne sais pas si vous connaissez The Madeleine Project. C'est un projet qu'a fait une journaliste sur Twitter, qui s'appelle, pardon, son nom m'échappe, Clara Baudou. C'était hyper intéressant. Clara a emménagé dans un nouvel appartement et elle a découvert qu'elle avait une cave, son propriétaire ne sachant pas ce qu'il y avait dedans. Donc elle a forcé la serrure, elle a découvert qu'il y avait dans cette cave tout un tas d'objets qui appartenaient à la précédente propriétaire. Et elle s'est mise un peu à déballer ces objets, à enquêter. Et elle a découvert que dans cet appartement vivait une jeune femme qui s'appelle Madeleine. Et puis en découvrant ses reçus de mutuelles, quelques lettres, des objets, ses vêtements, elle a essayé de recréer son histoire. Et elle a documenté sa découverte vraiment dans l'immédiateté avec des tweets. Elle prenait des photos, elle tweetait, etc. Et ça a fait un buzz phénoménal. Tout le monde a suivi parce que c'était hyper intéressant la manière dont on était connecté avec cette Madeleine qui n'existait plus, avec cette journaliste qui découvrait en même temps que nous ce qui se cachait derrière la vie de cet inconnu. Et ça a été repris, elle en a fait un blog, elle en a fait un livre. Enfin bref, les formats ont évolué, mais parfois un simple tweet ou une série de tweets peut raconter une histoire qui est assez phénoménale. Par ailleurs, autre manière de prendre un peu de recul avec la critique d'Internet, n'oublions pas que la critique d'Internet, enfin Internet en massifiant tous ses contenus, les a avant tout démocratisés. Et selon moi, démocratiser la culture, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que on ne peut pas réduire la consommation de la littérature ou l'écriture à ce que c'est censé être du point de vue un peu culturel, originel, un peu puriste. Si c'était le cas, on ne pourrait pas aller voir les tableaux des grands maîtres au musée. Ils n'étaient pas censés être affichés au musée. Il aurait fallu faire partie de la cour du roi pour aller les voir. Moi, je suis bien contente de pouvoir aller voir des tableaux au musée. Si on réservait la consommation des films à ceux qui ont les moyens de se payer des places de ciné 15 balles, on aurait aussi un problème social. C'est un peu la même chose avec la littérature et l'écriture. La massification des contenus sur Internet a rendu les contenus écrits beaucoup plus accessibles. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent des romans, les old school romans, ceux qui sont écrits sur du papier. En 2008, 70% des Français déclaraient avoir lu au moins un roman dans l'année. Ce chiffre était à 79% en 2005, donc on a perdu 9 mois en 3 ans. Mais pourtant, pendant toutes ces années, le smartphone s'est développé. Donc certes, les gens lisent moins de romans traditionnels, mais en fait, ils lisent de plus en plus. Ils ont au bout du bras un outil qui leur permet d'accéder à des contenus écrits en permanence, tout le temps. C'est ce que Jean-Claude Carrière résume dans cette citation. On n'a jamais autant lu, contrairement à l'idée reçue, partout, tout le temps, dans la rue, dans les trains, le métro, l'avion, avec les fameuses tablettes. Ce n'est pas un frein pour l'activité cérébrale. Au contraire. Et effectivement, ce n'est pas un frein pour l'activité cérébrale. Les contenus sont en train de changer via la massification et la démocratisation. Et la démocratisation, elle ne touche pas seulement les lecteurs, elle touche aussi les écrivains comme moi. Je vous donne quelques chiffres sur le milieu d'édition. En 25 ans, on a doublé le nombre de titres parus. Alors les tirages ont été certes divisés par deux, ça ne veut pas dire que les livres continuent d'exploser. Vous savez très bien que l'industrie du livre ne se porte pas forcément très bien, mais la variété des formats, des genres, des ouvrages proposés a explosé. Il y a 3000 maisons d'édition en France. Il y a 43 000 nouveautés qui sortent par an, et ça ne représente que 1% des manuscrits écrits. Tout le monde écrit. Les gens adorent écrire, surtout les Français. Et cette démocratisation culturelle fait que de plus en plus de gens ont accès aux maisons d'édition, et continue d'avoir envie de transmettre quelque chose via l'édition. Mais ça ne touche pas que les maisons d'édition, parce qu'aujourd'hui, éditer des livres ou éditer des textes, tout simplement, c'est plus l'apanage des maisons d'édition. Parce que le web est devenu un éditeur universel. Ça, c'est vraiment important, parce que, même du point de vue sociologique, si on ne donnait accès à l'écriture qu'aux écrivains puristes, ça voudrait dire que seuls ceux qui ont les moyens d'être écrivains, parce que l'industrie du livre étant ce qu'elle est, c'est difficile de se faire un revenu régulier en étant simplement écrivain, eh ben, l'offre de livres serait très homogène, en fait. Ce ne serait que ce qu'on peut lire écrit par les nantis, les héritiers, ou en tout cas les personnes issues de milieux un peu plus privilégiés.
Et là, non seulement le milieu d'édition se démocratise, mais le milieu du, enfin, le web permet aussi à n'importe qui, en trois clics, de proposer un texte, de trouver une audience, de rencontrer son lecteur. Et ça, c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant parce qu'en fait, c'est comme ça que moi, je suis devenue écrivain. Et ça, ça montre bien que les deux mondes peuvent se rencontrer. Il n'y a pas l'édition d'un côté et le web de l'autre, et les deux sont en conflit perpétuel. Moi, j'ai commencé par écrire des blogs. Ça, c'est une capture d'écran de mon tout premier billet de blog de l'histoire, le mardi 31 mai 2011. J'habitais à Phnom Penh. J'écrivais des très longues lettres à mes amis, jusqu'à ce qu'ils me disent « Écoute, Arjel, tu devrais faire quelque chose, tu devrais le publier. » Alors, en 2011, c'était il n'y a pas si longtemps, mais les blogs, c'était encore un tout petit peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à raconter comme ça mes impressions de ma vie de parisienne qui débarque dans cette ville un peu folle, dans ce pays complètement différent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers lecteurs qui m'ont encouragée, qui m'ont dit « oui, t'as une qualité littéraire ». J'ai continué, j'ai ouvert ce deuxième blog dont Stéphane parlait, d'Inde, qui est un blog donc humoristique qui raconte la vie du point de vue d'une jeune femme parisienne dont certains traits sont un peu forcés pour renforcer l'humour. J'ai publié ce billet qui s'appelle « Écrire un roman », qui expliquait que j'étais en train de concevoir ce projet et que c'était difficile. Et il y a des éditeurs qui m'ont contactée, tout simplement. Donc grâce au blog, grâce au fait de m'exprimer via le blog, j'ai pu atteindre le milieu plus traditionnel de l'édition, mais les deux se complètent complètement. Je suis très contente d'écrire des billets de blog, comme je suis contente d'écrire des formats beaucoup plus longs, comme je suis contente d'écrire, de lire aussi, soit des blogs, soit des romans. En fait, on s'est toujours senti menacé par les innovations technologiques, nous les écrivains, en tout cas ceux qui veulent défendre la littérature et l'écriture puriste. Quand la machine à écrire a été inventée, Il y a eu une espèce de levée de bouclier, mais ça va changer la manière dont les écrivains écrivent, ça va changer les genres, ça va changer les styles, c'est pas possible de se sortir du stylo et du papier. Évidemment, en fait, que ça a changé, c'est normal. Quand l'outil change, le style change, la manière de travailler change. C'est la même chose avec l'ordinateur et c'est la même chose avec le web. En fait, l'omniprésence d'Internet dans nos vies, oui, ça a un impact très fort dans la création littéraire, et c'est pas une si mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'Internet, eh ben, ça peut apporter un contenu qui est plus multimédia sur certains textes. Ça peut changer les formats. On peut rajouter de la couleur, du gras, des bullet points, mais pas que. Et encore une fois, c'est pas segmenté à Internet. C'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on a le droit de jouer avec les formats. Ça, c'est un livre authentique, roman, de Federman, qui s'appelle Quitte ou double, qui est un écrivain contemporain et qui joue sur les formats dans sa littérature. Moi, dans l'écosystème, quand mes héros s'échangent des textos, parce que ce sont des gens qui vivent avec leur temps, et ben on décide de mettre une capture d'écran de l'échange de textos. Voilà, les formats littéraires évoluent avec l'influence du web et de la rapidité des formats courts et de la consommation. Mais ça peut être plutôt sain, finalement. Il y a une dernière chose sur laquelle le web apporte un je-ne-sais-quoi supplémentaire. On le mentionne tout le temps. C'est l'interactivité. Les gens adorent ça. Le web, c'est génial parce que c'est interactif. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est fascinant. On recherche tous cette interactivité, autant les lecteurs que les écrivains. Le lecteur a envie de parler à celui qui est derrière le texte, et moi, en tant qu'écrivain, je suis ravie d'avoir accès à cette interactivité. Quand je publie un roman, ça me met bon, un an et demi à écrire, un an à publier, puis il faut organiser les rencontres dans des librairies, etc. Donc finalement, on me fait un commentaire sur un texte que j'ai écrit parfois 2-3 ans avant. Alors qu'avec mon blog, je réagis à chaud à une émotion, à un sujet de société, et j'ai des réactions immédiates. C'est ça vraiment le terme qui est clé, l'immédiateté. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous fascine un peu tous. Et cette interactivité que permet le web via l'écriture, c'est vraiment au cœur de ce qu'on aime. Et pour vous illustrer ça, je voudrais faire juste une petite parenthèse très rapide, vous lire un extrait de mon bouquin, parce que comme c'est un sujet qui m'intéresse, j'en ai fait quelques pages dans mon roman. Je vous les lis. Il n'y a rien que Lucas trouve plus exaltant que recevoir des notifications. Lorsque son téléphone est dans sa poche, il n'entend d'abord que les vibrations, douces caresses augurales, renfermant en chacune d'elles une nouvelle fenêtre sur un monde d'opportunités numériques. Parfois, c'est un vieil ami d'enfance qui le recontacte sur Facebook, parfois c'est une nouvelle vidéo mise en ligne par son YouTuber préféré, parfois c'est un mystérieux nouveau follower sur Twitter.
mais pendant les quelques secondes qui s'écoulent entre la réception de la notification et sa lecture, c'est tout un champ des possibles que Lucas s'imagine. Ça pourrait être une déclaration d'amour, l'annonce de la découverte de la vie sur Mars, un miracle sur son compte bancaire. Quand il les voit sur son téléphone, décorant de leur logo coloré son fond d'écran morne et sombre, il se dit qu'elle sublime le rectangle lumineux de son écran. Pour Lucas, c'est de l'art en trois dimensions. Il aime tout dans ses notifications, leur son, leur coloris, le frémissement que procure leur réception dans sa poche. Mais surtout, elle le connecte au monde. Les notifications sont une incursion dans son univers solitaire, un rappel que, quelque part, même loin, sur un serveur au Texas, un signal digital est émis dans sa direction. Une notification, c'est comme un salut d'un ami lointain, un être humain qu'il n'aime que davantage parce qu'il est absent. Et en même temps, c'est une poignée de main désincarnée, une étreinte du web, c'est une tendresse virtuelle qu'il ressent avec toute la prégnance de la vie réelle. Bon, tout ce qu'on s'est dit sur l'apport que peut avoir Internet dans l'écriture, la massification, la démocratisation des contenus, le fait d'apporter des nouveaux formats, c'est assez bien résumé dans cette citation de Jean-Claude Carrière, qui est en fait la suite de la citation que j'ai donnée tout à l'heure. La véritable question n'est pas là. Ce n'est pas est-ce que l'ordinateur va remplacer le livre papier, mais est-ce qu'un livre va remplacer un autre livre, finalement. Nous allons créer d'autres matières pour les pages, tout simplement. Et si c'est Jean-Claude Carrière qui l'a dit, il a probablement raison, n'est-ce pas? En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant quand on se concentre sur le fait de prendre le temps d'écrire, c'est que pour moi, ce choix, c'est quasiment un super pouvoir. On fait un choix conscient, quand on prend le temps d'écrire, de lutter ou d'embrasser ces différentes perceptions du temps qu'on a à notre disposition. Je vous remets le schéma que je vous avais proposé tout à l'heure. On nous disait qu'il y a une myriade de contenu, peu de temps disponible, et donc on se retrouve à n'avoir que peu de temps par contenu. Mais c'est complètement absurde, c'est une vision extrêmement réductrice du temps. Ça, c'est une vision du temps qui est simplement le temps objectif, le temps quantitatif, mais le temps... C'est le temps subjectif qui nous intéresse. Et quand on utilise notre super-pouvoir de l'écriture, ben justement, on utilise le super-pouvoir de décider, de choisir, d'accélérer ou de ralentir le temps, d'accélérer ou de ralentir notre rapport à notre activité, d'appréhender un peu mieux ce quelqu'un qui est le temps, de lui soutirer des faveurs. Et ça, c'est vraiment le geste d'écrire qui nous le permet. Et ce geste d'écrire, il est à la disposition de n'importe qui, c'est pas seulement les écrivains professionnels. Il y a une pulsion quand on a envie d'écrire qui, selon moi, procure la même jouissance que le fait d'avoir un super pouvoir, de venir mettre du temps, décider d'écrire ou de lire d'ailleurs sur du papier, ou au contraire, décider de se gaver de contenu sur Internet ou d'écrire tout un tas de petits contenus courts. C'est vraiment la force du libre arbitre qui fait qu'on peut exercer ce pouvoir sur le temps. Et il y a le geste d'écrire, et puis aussi il y a la profession d'écrivain. Voilà, ça c'est quand même deux choses assez différentes, même si évidemment le geste d'écrire c'est ce qui nourrit ensuite la vocation de devenir écrivain professionnel. Mais on en revient au point de vue sociologique. Quand on est écrivain, c'est un luxe d'accorder du temps à une activité qui n'est pas une activité très rémunératrice. Donc finalement, ce luxe, là encore, on peut le voir comme une contrainte, ou en tout cas comme beaucoup de travail, mais selon moi c'est aussi... une manière d'exercer pour moi ce super pouvoir. Oui, ça me demande du temps, de la discipline, etc. Mais c'est rien du tout au regard de la satisfaction que ça m'apporte de devenir maître du temps, moi aussi. Mais bon, pour en revenir à la question qu'on me pose plus souvent, comment est-ce que je trouve le temps d'écrire tout ça? On va se pencher un peu sur mon agenda, je vais vous montrer. Alors, le matin, lundi matin, je me réveille à 7h30. Alors, comme plus de 70% des auteurs, j'ai un day job, n'est-ce pas? Dire comme. Comme je ne suis pas très matinale, je snooze quelquefois. Et ensuite, je rentre dans un ouragan de réunions, de calls, de weekly meetings, de déjeuners d'affaires, de petits déjeuners, d'apéro networking, de conf call avec différents pays du monde. Bref, j'ai bien conscience que le monde corporate, pour moi, annihile ma créativité littéraire. Donc j'ai besoin d'accorder des plages de temps qui sont consacrées à ça. Et en tant qu'écrivain professionnel, oui, évidemment, ça me demande... je prends en compte la productivité que j'ai. Je compte le nombre de mots que j'ai fait par jour. J'ai des chapitres à rendre, j'ai des deadlines aussi dans ma profession d'écrivain. Mais encore une fois, il ne faut pas se cantonner au temps objectif. Alors, je sacrifie pas mal le week-end. Je me réveille le samedi à 8h pour écrire. Les jours fériés, en général, j'écris. Pendant les vacances, j'écris. Voilà, ça demande pas mal de discipline. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant que je vais me mettre
à chronométrer tout ce que je fais. Pas mal de gens qui utilisent des méthodes d'eau pour augmenter leur productivité. Miracle Morning, se lever à 5h30 pour écrire pendant une heure. Bon, je ne suis pas très matinale, comme vous pouvez le voir, donc ça ne fonctionne pas chez moi. La méthode Pomodoro, qui dit qu'il faut écrire 25 minutes, faire des pauses de 5 minutes. Non, tout ça, vraiment, ce n'est pas possible. De toute façon, je considère que... Enfin, je ne crois pas en le temps objectif. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. L'inspiration, elle va, elle vient. Les moments d'appréhension du temps, elles changent. Parfois, j'ai des poussées d'inspiration dans le métro, j'écris sur mon téléphone pendant 10 arrêts, j'ai l'impression d'avoir passé des heures derrière mon ordinateur à coucher des lignes sur le papier. En fait, l'écrivain et son super pouvoir de trouver de l'or dans le lit de la rivière, il ne s'exerce pas avec un minuteur. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est marrant parce que il y a quelques jours, avant de venir, j'ai écouté Boomerang, l'émission sur France Inter, qui passe tous les matins à 9h10, je vous la recommande, c'est une émission culturelle. Et Augustin Trapenard, le présentateur, a commencé son émission par un édito qui est particulièrement pertinent sur le sujet d'aujourd'hui. Je vous le lis parce que c'est très bien écrit en plus. Ça me chatouille, ou plutôt ça me gratouille jusqu'au bout de mes petits doigts comme un million de fourmis, sachant que ça sera le seul remède à l'assommant gratouillement de cette époque où l'écrit est partout, SMS, post, email, mais de plus en plus erratique, criblé de fautes, de fausses abréviations, de combien de réductions, abréviations. Dans cette époque où l'on interroge sans cesse l'écriture, comment la rendre plus juste, plus efficace et même plus inclusive? Dans cette époque du constant commentaire, à condition qu'il soit toujours plus court. Dans cette époque où on préfère la critique en 140 signes à la création. Et ce qui me ratouille, c'est d'écrire, vraiment, sortir une feuille de papier plus éblouissante qu'un écran, se saisir d'un stylo ou même d'un crayon qui glisse entre vos doigts et qui crisse parfois, s'échauffer le poignet, laisser courir le trait comme un dessin, laisser la page se remplir, cette jouissance que c'est d'écrire. Et ça n'est pas interdit, comme il était interdit à la bonne du curé d'aller s'amuser dans la sacristie. Ça te gratouille, ça te chatouille jusqu'au bout de tes petits doigts comme un million de fourmis. Faisons un défi, écris-moi, écris-lui, écris. Alors Augustin, très bien, si tu veux écrire sur une feuille de papier, ça me va, mais il y en a aussi qui ont envie d'écrire sur le web pour justement vivre avec leur temps, il y en a qui ont envie d'écrire précisément sur du papier avec une plume d'oie pour se revendiquer écrivain de l'ancien temps puriste, il y en a qui vont écrire des romans fleuves, des trilogies, des séries, il y en a qui vont écrire seulement des tweets, mais c'est très bien, c'est ça la richesse de la création littéraire finalement. Le web n'est pas en train de remettre en cause l'écriture et la lecture, au contraire, ils s'enrichissent. Que les visions se confrontent, ça nous permet à nous, lecteurs, d'avoir accès à des formats toujours plus innovants, des nouvelles choses. Et moi, vraiment, je trouve que c'est fascinant. Et en fait, ça revient un peu à la question initiale. C'est finalement, si on a envie d'exercer ce super pouvoir, très bien, mais il faut un peu se concentrer sur le pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire. Bon, je vais conclure de manière un peu ouverte, en vous faisant une confidence. Bon, confidence que j'ai publiée sur mon blog par ailleurs, donc c'est pas vraiment entre nous. Mais un jour, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que moi j'avais envie d'écrire. Je vous le dis. Chaque matin, en commençant à réfléchir à ce que je vais produire dans la journée, soit environ 45 secondes après mon réveil, je réalise avec effroi, j'ai oublié comment écrire. J'essaye de retrouver, après tout je l'ai déjà fait plusieurs fois, tous les jours, en français, en anglais, de la fiction, des articles, des poèmes d'amour et des haïkus hasardeux, mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si je dois utiliser le jeu, alléger les adverbes, si je dois essayer de faire des blagues ou plutôt d'avoir l'air sérieux. Je commence une phrase dans ma tête, elle se perd dans ma tasse de café, je prends mon carnet de notes, mais je ne trouve pas de stylo. J'ouvre un document Word, mais je préfère mes mails. Je ne sais plus si je dois trouver quelque chose à dire ou une manière de dire n'importe quoi. Je ne sais plus si je dois me forcer ou alors attendre que ça vienne tout seul. J'oublie pourquoi je voulais écrire, en fait. Pourquoi ça, plutôt qu'autre chose. C'est vraiment difficile de plus savoir écrire, surtout quand c'est tous les matins. Alors j'essaye de décrire ce qui se passe sous mes yeux, en espérant que la divine lumière de l'esprit littéraire s'abatte sur moi par magie. Je pense, elle saisit sa tasse de café brûlant et se dit qu'elle a oublié comment écrire. Et je trouve ça nul. Alors je me plonge dans des livres pour me rappeler comment font les autres pour écrire. C'est quoi des phrases? Pourquoi ça forme une histoire? Je pioche au hasard dans des bouquins. Si on lui avait demandé, Hervé Joncourt aurait répondu que sa vie continuerait ainsi pour toujours. Alessandro Baricco, soit, chapitre 5. J'ai trop bu au cours de ce dîner. Emmanuel Carrère, Le Royaume, page 4. Et voilà, ça a l'air si simple. Il suffisait que les écrivains fassent leur boulot, qu'ils divinent ce qui nous sert bassement au quotidien à se communiquer des informations, les mots. C'est un outil pour eux, C'est un sortilège, c'est un super pouvoir. Il est si évident quand on les lit ce qu'est la littérature. Ça me terrifie parce que je m'en sens bien incapable, mais ça me rassure parce que je ne m'en sens pas si incapable que ça.
J'écris des histoires et après je les rends publiques pour que quelqu'un me dise ensuite « Tu sais, j'ai fait ça et ça m'a fait penser à un passage dans ton livre. » J'essaye de retranscrire des images et des situations qui, sous couvert de fiction et de particularités, sont en fait une sorte de miroir qui n'attend que chaque personne, chaque lecteur, y voit son propre reflet. Écrire des histoires, c'est un bon moyen, je trouve, de tisser des relations avec les autres. Pour une personne qui me dit qu'elle a pensé à mes histoires, j'espère qu'il y en a 10 autres qui ne me le disent pas. Ça veut dire que j'ai construit au moins un lien avec 11 personnes. Raconter des histoires, c'est pour moi la manière la plus satisfaisante d'être en relation avec les autres, depuis ma bulle bien confortable de l'écriture. Petit à petit, pendant la journée, en me forçant, en retrouvant mon stylo, en fermant ma boîte mail, en arrêtant de scruter ma tasse de café, je finis par écrire. C'est rouillé, c'est coincé, et puis ça donne quelque chose. Ça ressemble un peu à ce que font les autres, mais jamais tout à fait. Ça finit toujours par ressembler à moi. Il y a beaucoup d'adverbes, les phrases sont soit trop courtes, soit trop longues. La tristesse est cachée derrière des blagues. Il y a des anglicismes. J'aimerais bien m'améliorer, faire du moi en mieux, mais je sais que je vais tout oublier demain matin. Merci beaucoup. Merci Rachel, t'as tenu le temps. Moi, j'aurais jamais imaginé en fait qu'on pourrait avoir dans une conférence web des lectures d'un édito de France Culture ou d'un roman. Donc ça y est, on l'a fait. Et puis, comme ce matin, en fait, pour ceux qui étaient là ce matin, on a eu droit à un long métrage. On est vraiment sur, on est en train de casser tous les codes, et c'est aussi ça, Blend One Mix. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde s'il y a des gens. Est-ce qu'il y a des micros? Est-ce qu'il faut lancer la première question? Je vais peut-être lancer la première question pendant que ça monte. Donc là, on a vu qu'il y avait beaucoup de supports, beaucoup de manières d'écrire, mais toi, en fait, tu écris sur quoi, hormis ton téléphone dans le métro? Comment tu t'y prends? Tu as un rite le matin? Tu écris sur des post-it d'abord J'écris sur tous les supports. Pour les narrations longues, je schématise d'abord la narration sur des grands tableaux Velleda ou avec des post-it collés un peu partout sur le mur. J'ai des carnets de notes par centaines, j'ai des mails que je m'envoie à moi-même, ce qui fait toujours sursauter tous les développeurs d'appli de prise de notes qui me disent « mais tu verras, c'est tellement plus efficace avec mon appli ». J'écris sur mon ordinateur principalement. J'ai des rituels, mais les rituels, c'est à double tranchant. Parce que si on est bloqué pendant son rituel qui est censé marcher, c'est d'autant plus frustrant. Donc c'est une méthodologie qui est assez remise en cause par pas mal d'écrivains, même si ça peut parfois aider à déclencher la machine. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a des questions là-bas? En tout cas, moi, je me suis bien reconnu dans la division du temps. Là. Personnellement, mon agenda, c'est un peu un code-barre, en fait. Ça ressemble pas mal à un code-barre. Je me suis bien reconnu là-dedans. Madame, là-bas. Bonjour, Rachel. Bonjour. Comment tu as fait pour t'affranchir de la peur d'écrire un truc qui plaira à personne? Comment tu as fait pour te dire non mais si ça se trouve ça intéresse personne ce que j'ai à dire? Ouais. Bah justement le blog ça m'a beaucoup aidée. C'est quand même plus facile de publier un billet de blog que de publier un roman comme premier essai. Donc le fait de publier des billets de blog qui ont eu du succès et que des gens qui ne sont pas ma mère ou mes meilleurs amis me disent c'est bien, j'ai envie de lire le suivant, c'est quand même un sacré boost de motivation. Et après, il faut quand même accorder à l'industrie des livres traditionnels, et notamment au rôle des éditeurs, un rôle qui est très important, c'est celui du sceau de la légitimité. Donc quand un éditeur approuve, te donne un contrat qui dit « Ok, je signe, j'investis de l'argent pour rendre ton texte accessible au grand public », évidemment, ça aide pas mal. Une autre question ? Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des différentes façons d'écrire en fonction des supports sur lesquels vous destinez votre écriture, donc notamment avec Internet. On n'écrit pas pareil sur Twitter, sur Snapchat, etc. Et vous écrivez un blog, donc là on est plutôt dans des formats plus longs. Est-ce que vous tenez compte des contraintes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont plus des contraintes techniques de référencement? Et est-ce que ça influe sur votre écriture? En gros, est-ce que vous écrivez pour Google? Dans mon métier de communicante, comment dire, business, oui, bien sûr. Le fait de en tout cas, s'assurer que du point de vue marketing, son texte va rencontrer la bonne audience, ça implique certaines considérations techniques. Après, dans le style,
qui est liée à ma fiction. Non, évidemment, j'essaie justement de faire vraiment une énorme coupure entre mon travail de la semaine et puis mon travail du week-end. Par contre, entre le style que j'ai sur mon blog et mes romans, il y a des ponts. Par exemple, il y a une critique qui est parue dans Gradia, le magazine, sur mon premier roman, et la critique a utilisé le terme « ça se lit comme un blog au galop ». Et pourtant, c'est un roman, il fait 300 pages. Donc on sent qu'il y a vraiment une influence du style, du genre, du blog, du genre oral, moderne, quand j'écris mes bouquins. Donc disons qu'il y a des ponts qui se créent. Par contre, je vous rassure, il n'y a pas de bullet point, il y a des verbes dans mes bouquins, il n'y a pas de mots en gras pour insister sur les idées, même dans mes billets de blog finalement, parce que les mots se suffisent à eux-mêmes. Mais par contre, c'est vrai. Par exemple, les romans qui sont écrits par d'anciens journalistes, c'est souvent un gros challenge qu'ils ont à surmonter, parce que l'écriture journalistique est très très codifiée. Notamment quand on travaille pour des agences de presse, par exemple, il faut transmettre une information épurée de toute opinion, très factuelle. Donc il y a beaucoup de journalistes qui ont de la fibre littéraire, naturellement, ont envie de publier de la fiction, et ont beaucoup de difficultés à ajouter ce je ne sais quoi qui est le style, en fait, et que ça ne se transforme pas en un essai ou un document. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Juste une autre question, mais qui est plus technique, très courte. Est-ce que vous utilisez des bloc-notes vocaux quand vous avez des idées ? Non, pas du tout. Je crois que ça se fait, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu mégalo de se parler dans un truc et puis ensuite s'écouter soi-même. Donc je me contente d'écrire sur des post-it ou des carnets. Il y a une autre question devant ? Bonjour. Ma question, c'est au sujet de votre boulot alimentaire. Parce que, ouais. Du coup, je me pose la question, parce que DIRCOM à Station F, c'est pas mal comme boulot alimentaire, il y en a qui sont fessiers. Et du coup, vraiment, si vous pouviez vivre de vos livres, vous ne feriez que ça ? Je ne suis pas sûre, parce que, alors, il y a la dimension financière, qui est évidemment importante, il ne faut pas se leurrer, mais pas que. C'est aussi important d'avoir... quelque chose à faire dans la journée, enfin quelque chose qui nous connecte avec le monde du quotidien. Il y a des écrivains qui se nourrissent exclusivement de leur monde intérieur et réussissent à s'isoler complètement, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je pense que j'ai un genre qui s'inscrit un peu dans la même mouvance que les Tom Wolfe, etc., qui font quasiment un travail de journaliste quand ils se documentent pour leur roman, qui ensuite devient un roman, vraiment c'est de la fiction. Je fais un peu la même chose. C'est des romans générationnels que j'écris, donc j'ai besoin d'être en prise avec ma génération pour pouvoir en parler. Par ailleurs, intellectuellement, c'est très intéressant d'être dire comme de Station F, donc pour l'instant, ça me satisfait. La question, oui, c'est vrai, c'est le temps disponible. Si je pouvais être dire comme de Station F 3 jours par semaine, peut-être que ce serait vraiment la solution idéale. Je n'aurais pas envie de me couper complètement de la société, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de travail d'écrire, de publier un roman tous les 2 ans, pour y arriver, quoi. Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que on peut dire que dans Écosystème, en fait, il y a un certain nombre de personnages que tu as côtoyés en vrai, dont tu parles. Est-ce que du coup, les gens avec qui tu travailles au quotidien, ils ont changé de comportement vis-à-vis de toi en se disant, je vais peut-être me retrouver dans le prochain roman, là, il faut que je fasse attention. Je sais pas, faudrait leur demander. J'espère que non. Non, mais bon, après, dans Écosystème, ça reste des personnages fictifs. Donc, il y a des inspirations. Parfois, ça peut être un trait physique. Un trait de caractère, un tic de langage, parfois c'est un peu plus important, il y a vraiment des personnalités complètes qui m'inspirent, que je mixe avec d'autres gens dont j'ai croisé le chemin, donc il n'y a jamais, c'est pas des biographies quoi, donc a priori ça va, et puis ceux qui se sont reconnus dans mes personnages l'ont toujours bien pris, a priori ça reste un compliment.